Forest Forest, c'est effectivement une foire qui a pris naissance en 1995. Et la foire forestière Euroforest est devenue, en l'espace de 20 ans, la troisième foire forestière du monde. Donc on est très fiers de ses performances économiques et ça ne demande qu'à continuer. Le site est un site de 150 hectares. Le circuit des exposants fait 3 700 km. Il a un gros avantage, c'est que c'est une boucle au milieu de la forêt. Et ça permet aux visiteurs de faire un tour complet des différents exposants. Donc les exposants sont très satisfaits parce qu'ils voient la totalité des visiteurs d'Euroforest. Alors Euroforest est un salon particulier parce qu'il se déroule non pas sur un parc d'expo, mais effectivement dans une forêt. Et la particularité vient également du fait que les matériels présentés sont en démonstration. Donc le visiteur peut voir les machines en action. Et ça, c'est extraordinaire pour les professionnels qui peuvent voir la capacité des machines qui sont venues choisir pour leurs investissements. Le salon Euroforest est un salon professionnel avec des exposants qui viennent pour vendre du matériel. Mais nous, en tant qu'organisateurs, on souhaite qu'à l'occasion de ce salon, le grand public puisse venir se rendre compte ce qu'est la filière forêt-bois. C'est une filière d'avenir qui crée des emplois, donc il faut motiver les jeunes à venir rejoindre cette filière qui est méconnue. On organise au travers d'Euroforest tout d'abord des rencontres sportives, le championnat d'Europe de débardage à cheval. Alors le championnat d'Europe de débardage est organisé ici dans le cadre d'Euroforest. On est dans un milieu forestier et pour nous, pour France Trait, le fait de rentrer dans ce milieu-là nous permet une rencontre entre les donneurs d'ordre qui peuvent être des communes, des propriétaires forestiers ou des techniciens de la forêt et les gens du cheval. On organise aussi la Coupe de France de bûcheronnage. La coupe de bois sportive, c'est tronçonneuse de série. Donc les compétiteurs vont se départager sur 5 épreuves. Épreuve d'abattage, épreuve de démontage-remontage, épreuve d'ébranchage, coupe combinée et coupe précision. Et puis on profite aussi d'Euroforest pour organiser un certain nombre de conférences, des assemblées générales autour de la filière bois, que ce soit des conférences qui ont un lien avec l'amont, avec le financement de la filière bois et puis également avec des aspects technologiques. Déjà, Euroforest pour nous c'est le plus grand rassemblement qui a lieu tous les 4 ans. C'est une fête où on peut voir tous nos clients et notamment une grosse partie des professionnels du milieu forestier. On a des machines en démonstration, donc on profite d'une grande zone de démonstration pour montrer à nos clients les machines en action. Et ça, c'est pour nous, c'est vraiment le salon le plus porteur quand les gens ils voient vraiment comment la machine fonctionne et comment ça marche. Une grande foire là, dans une vraie forêt, on est au milieu en pleine nature. La proximité justement avec cet environnement là, que nous, on travaille après au quotidien, tous les jours, ça c'est intéressant. Et puis c'est l'affluence, c'est incroyable dans cette forêt. Pour nous, c'est un incontournable Euroforest. Donc, on est présent depuis la première édition, mais on sera fidèle. Tant que les choses se passeront et seront organisées de cette façon-là, on continuera à participer. Convivialité, professionnalisme, une grande réussite. Une réussite, et c'est bien parti. C'est bien parti. D'ailleurs, quand vous, on se retourne un peu, quand on regarde le stand du Crédit Agricole, ça traduit effectivement la réussite de ce salon. Ici, on nous donne aussi l'occasion de le présenter vraiment dans le milieu où le produit va évoluer, où il est fait pour évoluer, pas forcément sur une plateforme ou sur un grand parking centre-ville. Vraiment, nous sommes dans le milieu où on a besoin d'accéder. Aussi bien les chemins forestiers, des fois entre les arbres. On peut présenter toutes les configurations possibles. Très bonne organisation. Et puis en plus, la météo cette année, excellente. Prochaine édition en 2018, les 21, 22 et 23 juin 2018, ici sur le site de Chaumont.